On fait sa rame comme d'hab. Je colle. En 2 minutes, je fais les partages de live. Même si un auto, je préfère quand même m'en assurer. C'est où ici? À chaque bah voilà, je crois que c'est bon, j'ai rien oublié. Petite vérification, le son est bon, ici ça monte bien. Bon bah on est tout prêt. Aucun défi de communauté. Ok. Bon, ici, si. Salut Panthère, comment tu vas? Est-ce que mon son est correct? Parce que j'ai fait quelques réglages. Est-ce que tu m'entends correctement? Je vérifie quand même. Capture de jeu, capture d'audio. Ouais, c'est, tout est bon normalement. Je vois que la barre bouge, donc ça devrait être bon. Ok. Est-ce qu'il est un peu mieux que d'habitude? Parce que j'ai commencé un petit peu à bidouiller les réglages suite au conseil de quelqu'un et d'un tuto. Et je sais pas si ça donne mieux par rapport à avant. C'est plus bidon. Bon, de toute manière, le micro dans la semaine a de fortes chances d'être changé. Et que j'essaie plutôt de comprendre correctement les. Ah, d'accord. Bon, bah alors, bienvenue. Je pensais que tu étais déjà venu. Bon, bah désolé. Bienvenue sur mon stream. Alors, on a. J'ai un petit Discord si t'as envie de nous rejoindre aussi. C'est, enfin, tu verras, tout est dans ma bio. Dans l'ensemble, c'est plus une bande de potes. On essaie de déconner, de faire les. On essaie de blaguer entre nous. Voilà. On se prend pas trop au sérieux. On essaie pas de. Ah, d'accord. Lequel de serveur Arcoda ou iDrift? Merci pour le follow Panthère. Parce que je suis sur deux Discord différents de Arc PS4. J'ai de bons contacts avec eux. Je suis un ancien joueur de Arc PS4. Rifk, ok. Donc, tu connais un peu le jeu ou pas? Pardon.
Panezo, est-ce que ça te parle? T'as déjà vu des vidéos, des gameplays, enfin voilà quoi. En tout cas, j'espère que ça te plaira, ce que tu verras. Le matos n'est pas encore au point, tous les réglages ne sont pas encore là. Ah, donc, ok, oui, tu viens juste d'arriver sur la communauté Arc. Ok. Alors, oui, alors. Moi, je suis pas sur Arc, sur console, depuis un petit moment maintenant, mais je connais la commu le Drift. Donc, bon, en soi, on se connaît bien. Voilà, c'est pour ça qu'il me laisse partager. On partage nos périodes ensemble. Alors, moi, je suis essentiellement sur PC maintenant. Sous peu, je verrai pour faire bidouiller un petit peu pour la PS4, mais pour le moment, c'est vraiment PC. Et Planet Zoo. Ah oui, non, mais ils sont super. Hein. Faut bien les écouter. Hein. Franchement, ils ont beaucoup de choses à te. Faut bien les écouter. Faut pas être frustré sur la manière dont ils parlent. Je sais pas de ton côté. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui peuvent être un petit peu choqués par la manière un peu crue qu'ils ont de parler. Mais si tu retires cette partie où ils sont un peu crus sur leurs paroles, ils sont adorables. Ils te donneront vraiment plein de conseils. Et Ange Déchu, c'est un ami proche. On se connaît depuis un bout de temps et je sais qu'il est admin sur le serveur. Et tu peux leur faire confiance du moment que tu n'en abuses pas non plus. C'est compréhensible aussi. Franchement, tu es arrivé sur un bon serveur avec des gars qui vont bien t'expliquer, qui vont pas t'exploiter. C'est quand même un point qui est assez important pour moi, c'est d'avoir une bonne commu qui essaie pas de tout niquer dès que tu es en train de faire quelque chose. Et ils ont moins tendance à être Merpool. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Oui, Ange Déchu. C'est un des admins du serveur. Enfin, dernièrement, c'était un des admins. Peut-être qu'il est un peu moins présent en ce moment. Avec, je connais un peu en privé. Mais oui, c'est un des admins du serveur. Je pense que ça l'a un peu calmé. C'est bien un des ennemis. C'est un ou c'était? Si tu l'entends en vocal, il a tendance à peu parler. T'as l'impression d'avoir un Taz. C'est. Ah. Parce que tu as dû avoir l'admin qui a dû, ou les admins qui t'ont reçu sur le serveur, qui ont dû dire que bah, c'était un des admins du serveur. Ou sinon, c'est peut-être même lui qui t'a reçu, on va savoir. Ou qui était dans la partie, si t'étais en vocal avec eux. Tasmania de Tex Avery avec Bugs Bunny, tout ça. Tu connais pas? C'était un vieux. Ça fait partie des vieux dessins animés où t'avais un. D'accord. Oui, bon, en général, je pense que ça doit être le proprio. C'est le proprio, donc. Peut-être un peu normal. Non, c'est plus. Bon, voilà. Bah, Ange Déchu, des fois, quand il se met à se marrer ou à taquiner, bah, tu l'entends rire comme ça. Le machin qui tourne sur lui-même, qui bouge en tous les sens, qui tape sur tout, qui bouffe tout ce qu'il trouve. Le diable de Tasmanie. Salut Savru, comment tu vas? Alors c'est bon, Panther. Ce jeu-là, c'est un jeu de gestion de parc animalier. Ça va, ça
Écoute, non, ça c'est Daffy Duck. Taz, c'était vrai, c'est vraiment celui qui fait. Il parle jamais, tu le vois. Bah, tu veux que je fasse un petit tour du parc? Oui, je sais, t'arrives et je fais ce truc. Mais j'essaie de faire comprendre. Ok. Bah, Panthère, donc, comme je te disais aussi, c'est donc gestion de parc d'animaliers, donc zoo. Tu gères l'adoption des animaux, tu gères leur reproduction, tu vends et tu échanges les animaux pour avoir des nouvelles générations, éviter l'inceste, clairement. Ok, bah écoute, bah, merci d'être passé, bonne soirée à toi, et puis bah quand tu veux, sur le stream, sur leur Discord, il y a mon lien du Discord. Tu peux nous rejoindre aussi, hein. On est inter-Discord, hein, de notre côté. Okay. Viens quand tu veux. T'es le bienvenu. Donc ici, c'est la zone des employés. Donc quand tu arrives d'ici, je pense un de ces quatre toucher un petit peu la zone d'entrée. Quand tu arrives ici, t'as les employés qui vont. T'as toute la zone employée dans l'ensemble. Après, j'ai mis quelques zones un peu par-ci par-là pour leur permettre de se reposer, mais la plus grosse zone est là. Donc là, tu as la zone de repos avec un petit coin pique-nique. Comme tu peux voir. Voilà. Ensuite, ça, c'est de la lumière. Je crois que en bidouillant le temps, je crois que j'ai stoppé le temps à la journée, mais je pourrais mettre la nuit après, manuellement. Donc ensuite, bon bah t'as quelques petites structures pour tous les. Un peu tout, hein. Donc là, ça doit être, je crois, le centre d'échange. T'as l'atelier. T'as la zone de quarantaine. Ça, c'est les soins vétérinaires. Comme tu peux voir. J'ai rajouté un DLC entre-temps. Donc, j'ai rajouté une nouvelle déco, comme par exemple ça. Donc, voilà. Donc, cette zone-là, ça donne la vue sur le point de passage des visiteurs. Ici. Merci. Bah, je commence à peu prendre la main. Hein. J'en suis loin de certains, mais je prends la main. Là, tu vois. Ensuite, quand tu rentres ici, ça, c'est l'enclos des lémures qui avait été demandé par Rosaria. Donc, l'enclos. Avec zone de grimpette. Ils ont leur repos aussi là-haut. Donc, tout ce qui est jeu, c'est en bas. Voir, bah, ils s'en servent. Voilà. Donc c'est quand même bien actif. Bon, ça c'est un bébé, donc c'est normal qu'il n'y arrive pas. La piscine à balles que j'avais fait la première fois. Donc je pense retoucher un peu ça parce que les plaques comme ça, j'aime pas trop. Je pense faire en sorte que ce soit enterré. Donc pour l'enclos. Je reviens après, je repasse par l'entrée. Trop vite. Donc, le panneau d'entrée que je trouve dans l'ensemble, les gens me disent qu'ils l'aiment bien, mais je le trouve un peu petit par rapport à ce qu'il y a derrière. Donc, je pense soit l'agrandir, soit le travailler un peu plus. Et ensuite, la cascade. J'avais commencé à faire quand tu étais venu. Donc voilà à quoi ça ressemble. À hauteur d'humain, ça donne ça. Les visiteurs, ils voient ça comme ça.
Donc on approche et tu vois, j'ai mis quelqu'un des nuphars. Donc voilà. T'as les statues ici. Ça, c'est tous des effets. C'est des petits objets que tu mets les uns à côté des autres qui font un effet d'eau, d'effet d'eau de cascade. Et ajouter les uns aux autres et mis correctement, bah, tu as cette impression de chute du Niagara. Ensuite, en allant par là. Donc, à nouveau, la zone des employés. Et là, à gauche, on arrive sur les chameaux. Il a quoi, ça? Entre 40 et 50 euros? Ouais, c'est vrai que si t'as pas les sous, t'es étudiant ou un truc comme ça, c'est peut-être un budget qui est pas prévu. Je sais pas, je trouve que le jeu, pour ce qu'il propose, est rentable. C'est comme Ark, tu sais, ces genres de jeux, tu payes une bonne somme au début et tu le ponces à mort. Ces genres de jeux, tu vas poncer, donc financièrement, tu t'y retrouves. Mais j'avoue que c'est quand même un budget. Parce que c'est quand même 45-50 euros. Après, quand tu prends les DLC, c'est 80 euros. Donc c'est encore une somme au-dessus. Donc, tu as des panneaux pour dire qu'il ne faut pas les nourrir. À droite, tu as les lémuriens, vus par les visiteurs et bien sûr par les employés quand ils passent par là. Bah, il n'y a pas de souci, je comprends. On n'a pas tous une connexion de fou. Par hasard, on m'a dit que c'était bon, le son était pas mal. Mais est-ce que par rapport au début, mon son a été un peu amélioré? Parce que j'ai un petit peu bidouillé par rapport au tuto que j'ai vu. Et j'essaie d'améliorer ça. Ouais, c'est bon, c'est mieux. D'accord. Donc j'arrive plus ou moins à l'améliorer. C'est mieux. Donc ici, des chameaux. Je sais pas si tu te souviens, c'était un ami qui était passé sur le serveur. Ça, sur le premier live du jeu. Donc les chameaux, bon, il utilise un autre pseudo sur Discord, pas sur Steam, pardon. Mais je connais personnellement. Donc en général, il s'appelle Shador. Donc voilà. Je donne maintenant les noms des enclos à celui qui les a choisis. Donc ici, c'est une zone encore d'employés. Ici, c'est les pandarous. J'ai essayé de faire ça propre. Bien. Déplacer. Ah, c'est pas top. Ah, c'est mieux. Alors peut-être moins. Ah, c'est bon. Donc Pandarou. Bah, c'est moi qui les ai sélectionnés, donc ils ont pas de nom en particulier. Ici, bon bah t'as des toilettes. Ça sort du DLC à Australie. Parce que je fais pas tout non plus, sinon quand j'ai pas d'idée, je préfère mettre des trucs qui vont avec. Ça, c'est un petit centre commercial, enfin une petite zone commerce. Que j'ai fait moi-même aussi. Avec un petit panneau disant ce qu'il y a. Une nouvelle zone de point de vue pour les lémures. Va peut-être falloir que je lance une petite réparation.
Ensuite, en passant par là. Donc les toilettes ici. T'as des koalas ici. Ils ont été sélectionnés par un follower. C'est des animaux qui acceptent la visite des visiteurs dans leur enclos. Donc bah, j'ai fait un enclos où tu rentres dedans. Comme tu peux voir, j'essaie de pas aller trop vite. Bah attends, on va faire simple. Voilà. C'est ce que voit le visiteur. Pareil, hein, c'est genre d'enclos, tu fais pièce par pièce. Hein. Là, t'en as un de panda. De quoi là, pardon. eux, ils aiment tout ce qui est en bien-être animal. Oui, franchement, le jeu est vraiment bien foutu pour ça. Hein. Et je me suis remis sur Tycoon il n'y a pas longtemps. Il y a quand même un gap entre les deux. Donc, c'est. Oui, pour leur bien-être, ils n'ont qu'un seul aliment, c'est un arbre d'eucalyptus. Et c'est un arbre d'eucalyptus vraiment précis. T'as quelques arbres d'eucalyptus qui sont disponibles pour la déco et ils n'en veulent pas. Donc, leur petit point d'eau. Je fais assez propre, simple, mais c'est efficace. Voilà. Donc j'ai mis quelques poubelles pour éviter que les gens lâchent des déchets en plein milieu de l'enclos. Là, t'as un bébé koala qui est présent. Regarde comment ils sont mignons. Trop bien fait. Franchement, non? Ça donne pas envie d'y jouer. C'est trop beau ce genre d'animaux. Et celui-là, c'est un bébé de mémoire. Ouais, il est jeune. C'est vraiment trop chou, genre de petite. Et il a la petite tête qui va avec. Hein. Franchement, tout mignon. Et c'est limite, il va pas me. Il ne sortirait pas un sourire. Ah bah, ça sera pas les seuls. Hein. J'en ai d'autres. Hein. J'ai des pandas roux. Ah, j'ai déjà prévu d'offrir le jeu à une amie. Donc, la prochaine fois. Donc ici, c'est la zone pique-nique. Alors, ça là, en dehors de ça. Non, là, du bâtiment qui est là. Tout le reste, je l'ai fait moi-même. Les décos, je les ai un. Ah, tiens, il va falloir faire une petite réparation ici. Il faudra que je vérifie les cocos après. Ça, tu vois, c'est deux éléments. Enfin, il y en a même plus de deux. T'as un treillis qui est là. Et t'as des. Je crois que ça s'appelle treillis de mémoire. Ça a été long hein, sur le coup. Mais une fois que t'es lancé, ça part tout seul. Treillis, donc non, ce serait pas treillis, ce serait comment? C'est con. Hop. Ça s'appelle décoration murale. C'est intéressant. Comment ça s'appelle ça? Donc, dupliquer. Tu vois, il y a ça.
J'en ai mis deux côte à côte. Et après, il y a ça. J'ai tapissé au-dessus. Après, bah, tu as juste à mettre. Bon, tu as quelques éléments comme les bancs que j'ai mis côte à côte, que j'ai un peu organisé. Voilà, ça, c'était pas combien compliqué à faire. Honnêtement, c'était assez easy. Dans Ark, disons que tu as un. On va dire que les objets ne peuvent. Un mur reste un mur. Il y a de très rares situations où tu peux l'utiliser pour autre chose. Dans ce jeu, un mur, tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Un pilier, tu peux l'utiliser pour faire autre chose, qui ne sera jamais un pilier. C'est là la différence avec Ark. Après, Ark, c'est quand même. Ça a son autre délire. Mais ouais, dans l'idée, oui. Tu prends des pièces, tu les assembles et tu fais ce que tu as envie avec. Là, c'est un bateau qui va de. Bon, par contre, je sais pas pourquoi. Ça couvre. L'eau ne couvre pas le rail. Ça, j'ai pas compris. Qui va de là jusqu'à l'entrée. Donc ça, par contre, va falloir que je revoie parce que ça va pas le faire. Je préférerais que ce soit quand même enterré. Ah, est-ce que je peux revenir? Non. Je sais pas pourquoi. Enfin, je vérifie. Moi, je prendrai un peu le temps tout à l'heure pour. Donc, comme tu peux voir, il fait tout le tour. Et il arrive là-bas. Ensuite, en montant par là. Va trop vite. Alors, il y a cette partie-là que j'ai fait hier, justement. Ça, je l'ai fait hier, sur le live d'hier. Ça, là, ça va être fermé. Il y aura des gavials. Tout là sera fermé pour faire mettre des gavials. Avec un chemin qui sera dans la terre. Dans la terre. Pour les visiteurs. Soit je mettrai une vitre, soit je mettrai juste une balustrade. Et ils auront vu directement sur les gavials ici. Donc en gros, ça va être fermé à peu près par là. Jusque là. Et hop. Ça prendra ça. Je mettrai peut-être quelques terres bout de terre pour. Leur proposer d'autres zones de marche. Ils sont pas, ils aiment pas nager autant que les crocos marins, mais ils aiment avoir leur zone d'eau. Donc voilà. Je trouve que ça rend pas mal. Le projet est pas mal. Ensuite, on arrive au-dessus de la cascade de l'entrée. Là, c'est l'enclos des crocos marins. Tout là, c'est les crocos marins. Et apparemment, oh non, c'est passé. Avec leur dodo, partie de jeu. Là, il y a aussi un truc à eux. J'ai fait un pont hier soir. Ça a passé peut-être un tiers de mon live dessus. Tout ça, c'est un pont que j'ai créé pièce par pièce. Voilà, t'as ça. Qui est pas censé être un pont. C'est juste un truc pour la déco. Après, t'as des piliers comme ça, pièce par pièce. T'as des chaînes comme celle-ci. Qui sont pièce par pièce. T'as ça, qui est juste un espèce de crochet, enfin un anneau. Voilà. Donc, ça, c'est de là, ces deux pièces individuellement, c'est pas les mêmes. Ça va pas ensemble. Tu vois, c'est une chaîne, et là, t'as un espèce d'une fixation. Voilà. Donc, tu crées une première fois le pilier avec la fixation. T'as juste avec une chaîne et après tu t'adaptes en fonction de la position. Et au final, ça donne ça comme pont que mes soigneurs utilisent pour rejoindre la zone d'activité des animaux. Et de ce que j'ai vu, les crocos ne le passent pas. Donc là, tu vois, il y a un croco qui est là. Qui a l'air d'être bien. Bon, côté alimentation, c'est moyen apparemment. Pourquoi, je sais pas. Mais dans l'ensemble, ça se passe. Le pont, j'ai galère à le faire. Le pont, j'ai galère. Franchement, je savais pas du tout sur quoi j'allais. Difficile, non. C'est pas forcément difficile, mais j'avais pas l'idée en fait sur le coup. Sur le coup, j'avais vraiment pas l'idée. J'étais en mode.
Je fais quoi? Au début, je voulais faire un chemin. Je voulais utiliser ça pour mes PNJ. Tu vois, je voulais faire un espèce de pont naturel, là, avec de la terre. Sauf que je trouvais ça dommage. J'avais un pont ici, enfin, j'avais le bord de la cascade qui était là. Je trouvais ça dommage de ne pas m'en servir pour en faire un pont. Pour y mettre un pont. Et au final, bah, j'ai pris le temps de faire ce que je voulais vraiment faire. Que ça donne vraiment ce que je veux. Puis voilà. Quelques arbres par-ci par-là. Je leur ai donné tout ce qu'ils avaient besoin. Je me suis assuré que l'enclos était viable pour eux. Qu'ils puissent aller de partout. Qu'ils puissent pas se barrer non plus. C'est quand même assez important. Puis voilà, ce qui fait que d'ici, ils voient les gens arriver. Et ils ont la cascade juste en dessous. Donc les gens, ils arrivent là. Et tu as une petite zone pique-nique, repos, avec toilettes, quelques snacks et points d'information disponibles. Ce qui fait que bah, après avoir bien marché, ils peuvent se poser un peu. Et après repartir. Pour le moment, j'en suis là. Voilà. D'ailleurs, je me souviens pas que t'as sé sélectionné ton animal. Donc, ce serait bien que tu le sélectionnes, non? Donc, je vais te montrer la liste d'animaux. Et tu me dis ce que tu veux. Alors, je t'explique. Il y a le panda géant qui a été sélectionné. C'est tout. Il y a le panda qui avait déjà été pris. Donc, je suis pas sûr qu'en vrai ça soit aussi faisable. Mais les autres bovales, apparemment, est super beau aussi. Donc, bon. À moyen. Hein. Donc, comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de choix. Et pour le moment, je suis contente de ce que j'ai fait. Ça pète pas quand je vois certains lives de certains qui voient live ou même des vidéos YouTube. Quand je vois ce qu'ils font et ce que je fais moi, il y a un gap entre les deux. Mais je suis contente, je suis fier de moi quand même. Je trouve que je me suis pas mal démerdé pour un truc qui est what the fuck, parce que c'est absolument pas réaliste. Je pense pas en tout cas. Mais ça reste propre. Visuellement, il est propre le parc. Ouais, y a... Alors, t'as une préférence pour un type d'animal ou t'en fous? Alors, il y a des animaux de vivarium. Donc, je supprime de suite ces animaux de vivarium, d'accord? Ils rentrent pas dans la sélection. Je mettrai les vivariums histoire d'eux. S'il y a quelqu'un qui a envie que j'en mette un, bah, je mettrai à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, m'en fous. Alors, tu as accès aux animaux de base plus les animaux d'Australie et quelques animaux en plus. J'essaie d'aller là assez lentement. Panda géant, c'est fait. Panda roux, c'est fait. Ensuite, il y a quoi d'autre que j'ai fait? Bah voilà, j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop rapidement. Pas été trop vite. Loup? Ok. Bah écoute, les loups, les loups, les loups, ils sont ici. Les voilà, les loups. Ah, ils me demandent. Parce que je crois qu'ils demandent quand même un certain. Ouais, un seul demande un beau terrain. Que dirais-tu que je les fasse, que je les installe ici? Parce qu'ils veulent un bon terrain. Je les mettrai ici, ça te dit? Ou
pourrais les mettre là. Comme ça. Zone 1 ou zone 2? Une ou deux. À moins que tu aies un endroit que tu avais vu qui t'intéresserait. Mais dis-toi quand même que les gens voudront peut-être les voir. Là? Ou là? Une, deux. Chercher les loups. Alors, elles sont là. À côté des chameaux? Ok. Alors, j'ai pas vérifié combien ils veulent être. Entre 2 et 12, dont 2 mâles. D'accord. À côté des chameaux, c'est 1. Voilà. Donc, je vais prendre tout ça. Voilà. Donc, ici. Donc, tout d'abord, je vais essayer de faire d'enterrer un peu le chemin. Faire un peu plus grand. Non, on va prendre de la terre. Histoire que ça soit quand même un peu propre. On va agrandir un peu le truc. Je vais enterrer les. En fait, je vais les faire passer par-dessus. Oui, bah j'ai bien compris que c'était là. Hein. T'inquiète pas. T'as dit à côté des chameaux, j'ai compris. Ah là. En fait, je voudrais qu'ils passent par-dessus. Comme ça, ils ont ce terrain jusque-là. Après, je fermerai de manière à ce que ce soit sûr. Ah, c'est ça, c'est l'idée. Ah, tu vois, je commence à intégrer le chemin. Bon, apparemment, ça va pas si vite que ça. Pourquoi? Voilà, c'est mieux. Hein? On va essayer d'aller jusque là, quitte à ce que ce soit un peu intégré ici. Non. Comble. Voilà. Sinon, ta journée, ça s'est passé comment? Seul truc que je reproche au jeu, c'est que c'est un peu lent quand même la cam. C'est pas mal. Maintenant, faut que je fasse ça jusque-là. Permettra d'avoir un deuxième enclos qui sera pris par les soignants d'ici directement ici. Fatigué? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, d'accord. Ok. Je comprends. Voilà, normalement, ça donnera ça. Ça va donner un peu plus de hauteur.
Pas trop non plus parce que ça va faire bizarre. Voilà. Alors ici. Ici. Salut les Gio, comment tu vas? Bah écoute, ça va de mon côté. Hein. J'ai essayé d'améliorer mon son. Donc, apparemment, c'est déjà un peu mieux. Et toi? Alors, vert. Je sais plus. Le loup est confiant avec l'homme. Mettre la mention Evergrande sur le Didi. Ah merde, oui, j'ai oublié de le faire cette fois-ci. Autant pour moi. En général, j'essaie de pas l'oublier, mais là, cette fois, j'ai complètement zappé. Vitre alors. Comment ça? Ah, j'essaierai alors. Je t'avoue que j'ai pas utilisé encore ce. J'essaierai, je regarderai ça. J'ai passé la journée à essayer de configurer un peu le son. À configurer. Un lien PayPal. À comprendre comment ça fonctionnait. Donc ouais, demain je regarderai ça, pas de souci. D'accord. Bah écoute, j'essaierai. T'as les enfants un peu quand même. Ring cord ou stream cord. Ah, je regarderai ça tout à l'heure. Merci pour l'info. Et c'est quoi le mieux entre les deux? Ou il n'y a pas de différence, c'est juste une préfé enfin, c'est juste une préférence que le gars a plus. Aucune diff? D'accord. Ouais, c'est plus il y en a un qui est préféré et enfin ça fonctionne de nos préférences quoi. D'accord. Bah écoute, j'essaierai. Mais là pour le coup, ouais, j'ai complètement zappé en fait. J'ai tout lancé. J'ai fait vite les liens rapido en mode ça passe. Tout le monde est au courant que c'est que j'en fais un aujourd'hui. Et j'ai complètement zappé. Tiens, en fait, du coup, t'as pas regardé, t'as pas vu la fin de l'enclos à Coco? Non, déjà, ça, je le ferme. L'enclos à Coco a pas mal avancé. Enfin, je l'ai même fini. Donc, le voilà. Ah, voilà. J'ai. Je sais pas, genre, je sais pas du tout. Je t'avouerais que je connais quelques-uns qui me parlent de. Enfin, celui qui m'a lancé sur OBS, elle m'avait parlé de Streamlab. Elle m'avait dit que les deux étaient pareils dans l'ensemble, mais il y avait quelques petites notions, quelques petites nuances qui faisaient que certains préféraient l'un à l'autre. Je pense que ça va être le même genre de délire. C'est peut-être la prise en main. Instinctif pour quelques-uns ou la manière
On sait appeler, tu sais, les onglets ou ce genre de conneries, quoi. Voire même les interactions avec. Tu veux comme un lien Discord. D'accord. Bah écoute, j'essaierai. J'essaierai de voir ça. Bah écoute. Je regarderai ça et je me ferai une idée là-dessus. Puis je regarderai au pire des tutos. Hein. J'ai passé la journée à regarder des tutos. La nuit avec aussi. J'avais mon neveu derrière, il se demandait pourquoi je criais au micro en mode AEIOU. Donc voilà. Ça, c'est l'enclos des crocos. J'en suis assez fier. Oui, bon, le gamin, il a 7-8 ans, donc bon, voilà quoi, il dit pas grand-chose, il savait surtout qu'il avait pas intérêt à te parler, mais dans l'ensemble, j'avais l'air d'être un abruti en train de parler devant mon micro, en mode, c'est le chanteur qui essaie de faire ses voix, alors que j'étais juste en train d'essayer de faire les réglages son, je sais même pas ce que ça donnait, apparemment c'est un peu mieux. Donc là, c'est le pont d'accès des soigneurs pour atteindre le reste. J'ai fait bah, hier sur la fin du live. Et oui, bah écoute, déjà moi ça me fait bizarre de me dire que je suis en train de parler et que des fois j'ai des gens qui sont derrière moi. Au début, c'était bizarre. Ah, utiliser ton Twitch, il va se connecter. Tu devras juste mettre l'endroit où le bot postera. Ça, sans oublier le everyone. Ok, donc en fait, j'active le bot depuis Twitch. Et il ira automatiquement dire à Discord, attention, il y a un stream qui se passe, quoi. En gros, c'est ce que je comprends. D'accord, ah d'accord, donc faudrait que je lance Ping Cord à côté. Ça risque pas de faire beaucoup de choses sur un PC. Bon, le mien est pas trop niqué, mais plusieurs choses à la fois, ça risque pas de faire un peu planter ou poser des problèmes de lancer plusieurs choses à la fois. De toute manière, j'essaierai. Demain, je regarderai ça. J'essaierai, je verrai comment le PC supporte. Ok, ouais. Donc je fais début de stream, je vais sur le site, peut-être même quelques secondes avant. Je vais sur le site, je fais en gros le ping, parce que je comprends sur le nom. Et après, ben, je ferme. Ok. Bah, écoute, j'essaierai ça demain. Merci, bah bonne soirée à toi, Saoru. Merci d'être passé. Puis bah on se retrouve sur le Discord. Hein. D'accord, ok. Je commence à comprendre. Après, je te dis, je verrai. De toute manière, je regarderai un tuto pour être vraiment sûr de ce que je comprends, de comment le faire. Je veux pas faire de conneries. Et d'accord. Merci pour l'info. Je vois que c'est un petit côté qui me rassure sur Twitch, c'est que au lieu de chercher à se mettre des bâtons dans les roues, on essaie de s'entraider. C'est pas désagréable.
suis un petit peu deux, trois streameuses, enfin deux, trois nanas qui sur. Et ils sont gratuits. D'accord. Ah, j'essaierai. De toute manière, je te dirai ça. Tu me verras demain sûrement t'en parler si tu veux. Tu viens. Ou tu le verras en actif si je l'utilise au moment. Au moment. D'accord, bah écoute. Quoi qu'il arrive, j'essaierai. Je regarderai ça demain. Parce que hier, après ton passage, j'ai eu un. Des parties payantes, mais pas utiles. Ok. Ouais, c'est plus pour les utilisations un peu plus spécifiques. Pour certains pros ou. Ouais, j'allais te dire, j'ai eu le droit à un petit raid hier avant que t'as. Enfin, avant que je déco. J'arrête le live. Donc, j'ai poursuivi le live une demi-heure de plus. 11 personnes d'un coup, dont un qui m'a donné des conseils pour le son. D'où je vais passer le temps à essayer d'améliorer le truc. Et franchement, c'est ce que j'aime bien sur Discord là. Enfin, sur Twitch. C'est du soutien, pas du je t'en fous plein la tronche. D'accord. Ah, écoute, merci pour l'info. Si tu vois si tu vois mon serveur demain, c'est que j'aurai compris comment m'en servir. Et j'y passerai la journée là-dessus. Maintenant. Manière, je vais le noter. Je n'oublie pas. D'accord. Hot. Et j'ai une mémoire de merde, donc je préfère y marquer. Ping. Corde. Stream corde. Voilà, j'ai noté. Donc, j'aurai plus qu'à aller voir ça demain. Ouais, là, je suis sur l'enclos des loups pour justement savourer. On essaye, enfin, j'essaye d'occuper tout ce terrain-là. Dans l'idée, ça ferait à peu près comme ça. Hop. Ça prendrait là. Mais s'il est plus utilisé, l'autre le payant, c'est qu'il a forcément l'intérêt à. Avis, déjà je suis en train de voir si ça marche. Twitch pour moi, alors je vais prendre un truc à vie. J'en suis pas là. Ok, bah écoute, merci pour les infos.
Ouais. Donc, ouais, c'est. Ouais, c'est. Bon. Je vais pas critiquer les streamers qui le font, mais. C'est en mode pigeon. Pour les pigeons, quoi. Bon, il y a quelques-uns qui vont y trouver un intérêt autre que ça, mais. Dans l'ensemble, ça reste quand même. Je suis pas un utilisateur d'Apple perso. Coup de freeze. Ben, en fait, il y a plusieurs éléments que j'aime pas chez eux, en fait. Déjà, leur politique de privatisation de leurs produits. J'apprécie pas. Quand tu achètes un produit chez eux, c'est fini. Tu dois rester chez eux parce que tu sais que c'est mort pour le faire réparer ailleurs. Ou il faut un gars qui soit estampillé Apple. Puis leur produit, je suis désolé, t'as vu les tarifs. À quel moment tu as besoin de payer 3 fois plus cher pour le même produit ailleurs? Sans compter, bon, c'est plus une question politique, c'est leur le fait de faire travailler les gars en Chine, là. Dans les espèces de prison. Ça, jamais de la vie. Ils font construire leurs trucs là-bas, donc non. C'est un élément en plus qui me fait que je n'ai pas envie d'aller chez eux. Après, encore une fois, c'est mon point de vue, je n'oblige personne à suivre mon point de vue. L'esclavagisme qu'on est en train de produire avec ce genre de marque, je m'en méfie. Bon, ici, par contre, ça posera problème. Si je laisse comme ça. Oui. Clairement. Clairement. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Bon, certes, tu payes la marque. Je sais que c'était quoi, je sais pas si. Tran. Merde. Anfan. Dans Game One. Souvent, il explique que c'est un marqueur social, que. Ouais, mais je sais pas, c'est comme si tu montrais que tu avais une Ferrari et qu'au final, tu mangeais que des patates, quoi. T'as un intérêt zéro, quoi, au final. Donc, t'as beau montrer que t'as des thunes, si c'est pour vivre toute ta vie en mode j'ai pas de thunes. Voilà, et puis, encore une fois, je maintiens. Hein. Leurs produits sont pas forcément mieux que les autres. Hein. C'est quoi? C'est Huawei, par exemple, qui commence à arriver sur des tarifs très compétitifs par rapport à eux, et pourtant, c'est la petite marque de merde, et. Voilà quoi. Ça m'étonne pas. C'est ce qui m'a fait en plus, parce que bon, au début, j'étais pas autant anti-Apple. Je disais, bon, chacun son délire. T'as envie de payer, tu payes. T'as envie de jouer le pigeon, bah tu fais le pigeon. Moi, c'était un pote, c'était le fils d'un ex à ma soeur qui avait emmené son portable pour le faire réparer. Avec, je crois, un délire de réparation à vie ou garantie à vie. Dans le délire. Les gars lui ont trouvé une faille dans leur délire pour pas prendre le temps de le réparer et lui dire. Votre téléphone, faudra le changer. Attends, c'est un contrat, mon pote, c'est à vie. Chez moi, à vie, c'est à vie. C'est donc tu me le répares et tu me fais pas chier, quoi. Non. Et non, les gars, ils s'en démordaient pas. Hein. Ils voulaient pas le réparer son téléphone. Tu vois, ces genres de choses qui me font dire que Apple, non. Tu pourras me donner toutes les raisons du monde. Même que le produit
et 100 fois meilleur que n'importe qui, si tu me démontres que tu tiens pas ton contrat, moi je viens pas. Alors certes, il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais leurs produits ne sont pas aussi chers. Et comme tu dis, ben, si en plus leurs produits ne vaut pas les produits de la concurrence, qui sont 3 fois moins chers, enfin 2 fois moins chers pour le coup, autant pas essayer. Ah, c'est un grand délire, Apple. C'est un grand délire. Les gens qui sont accro à ça, c'est une secte. J'ai un pote en Belgique qui me disait que lui il habite dans un quartier qui est un peu bizarre. C'est genre, il a un opérateur. Et maintenant que c'est cet opérateur qui s'est installé chez lui, il a plus le droit de le changer. Et apparemment, ils lui font des histoires de merde depuis quelques temps, genre réseau de merde. La fibre de très mauvaise qualité, enfin genre de conneries. Et il peut, vu son statut, parce qu'il est les flics, donc il est dans un quartier, peut-être dans un logement fait pour ça, enfin voilà quoi. Bah il a pas le droit de le faire changer. Il est estampillé cette boîte et cet opérateur, et même si c'est de la merde, ferme ta gueule, tu suis ce qu'on te donne. Quel moment t'as envie de suivre ça, quoi? À quel moment c'est logique? Et c'est quand même assez inquiétant. Hein. C'est inquiétant de se dire que t'as ce genre de société qui se permet de faire ça à notre époque, en sachant qu'on a Internet quand même. Dire très facilement que c'est de la merde. Et ils se le permettent. Et nous, de notre côté, on peut rien dire parce que c'est apparemment légal. Eux, ils demandent du quoi? Je suis niveau 2, 1m15, 1m25. Alors, je sais qu'un loup, ça saute pas très haut, mais quand même, 1m25. Petit? Bah écoute. C'est du niveau 2, donc même ça suffirait. Je vais prendre ça. Juste par précaution. Alors. Cours. Bah lui, il n'a pas le droit. C'est un fournisseur qui est lié à sa résidence. Il n'a pas le droit de bouger. Depuis, il est bloqué à cet opérateur. Et je te dis, il habite en Belgique. Hein, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il est flic. Hein, donc, bon, le côté légal, il pourrait très bien s'amuser à dire je sais ce que c'est. Mais j'ai pas compris non plus. Hein, je te vois que. Ouais, j'ai une boîte qui me dit ça, je lui dis va te faire foutre. Voilà. Désolé de le dire comme ça, mais vous devez rester chez nous, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu m'offres un service bidon, je me casse. Et lui m'a dit non, j'ai pas le droit de me barrer. Alors qu'il venait de choper, je crois, des travaux pour la fibre. Après, je pourrais pas dire où c'est qu'il est. Hein. Si la question il vient à se poser, il me l'a jamais dit, j'ai jamais posé la question. Pourquoi ça va pas? Donc ici, ça ne veut pas. Why? J'ai pas envie de m'amuser à mettre trop de rochers ici, c'est des loups quoi.
faire ça déjà. Alors, clôture. En béton. Non, ça. Pourquoi tu ne veux pas? Oh, tu sais que maintenant ils vont chercher, ils cherchent toujours une manière pour nous la mettre profond. Quoi qu'on fasse. Là, je ne pige pas. Quel est le problème? Et là, ça passe. Peut-être trop court. Non. Juste par là. Non. Là. Là, c'est mieux. Bah écoute, là c'est du verre épais avec béton, je crois. Ouais. J'ai l'impression, en fait, le rond d'ici posait problème. Du coup, c'est con, hein. C'est un tout petit truc qui te fait chier. Hein? Ici, pas besoin de mettre là. À partir de là, je remets du verre. Ça me dit que c'est confiant, donc j'ai pas besoin de le remettre. Un petit de centain. Ouais, c'est là que ça me pose problème. À chaque fois que j'ai mis ce genre de chemin, ça posait problème aux animaux. Voilà. Si je l'ai. Mais je me dis que faut rendre les choses quand même réalistes. Bon, ici, il n'y a pas besoin. D'un autre côté. Là, dans l'idée, je voudrais faire une grotte là-dedans. Mais... Non, 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 non. Plus propre. Ah. Allez. Ah. Là. Là. Et de là. On va faire plus court quand même. Histoire de d'arriver pile derrière le machin qui a cramé apparemment. Ça aussi. Clôture. Invisible, pas invisible. Je suis en béton. Voilà. Je crois mettre plus proche. Ben après, en général, j'essaie de choper les piliers, de tirer le plus possible vers le chemin. Mais trop proche après. Voilà quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais j'y arrive pas en fait. Dans ma tête, je me dis ouais, non. C'est pas crédible. Donc ça va me bloquer en fait. Ça me bloque naturellement dans ma tête, ça va pas. C'est con, hein, je sais bien, mais. Tac. Alors ici, cours. Là par exemple, pour moi, c'est con ça. C'est... Mais bon, c'est comme ça. Bon après, c'est pour les. C'est la partie embauche. Donc, un peu. M'en faut un peu de la qualité du côté employé. Ah. Et dans l'ensemble, t'en penses quoi de ce que j'ai fait? Sans compter, j'ai bien compris que t'avais quelques
quelques trucs qui te gênent, hein, qui te dérangent un peu, mais. Voilà la taille dans l'enclos pour les loups. Ça fait grand. Je peux l'accorder. Oui, bah oui. Mais en soi, j'écoute les conseils. Hein. Je sais que. Mais en fait, j'essaie d'expliquer aussi mon point de vue. C'est ma manière de réfléchir au moment où je crée le truc. Après, j'écoute quoi qu'il arrive et si l'idée me paraît pertinente, je la prends, quoi. Là, par exemple, je sais que les loups, si je laisse ça comme ça, ils vont se barrer. Je les ai jamais eus, mais j'ai conscience que. En fait, là, ça va être des loups. Le problème des loups, c'est qu'il faut qu'ils soient quand même assez nombreux. Ils aiment avoir de la place, apparemment. Pour chacun des individus. Bon. Bah, au final, j'ai pas tellement le choix. Bon, c'est peut-être un peu trop grand. Puis bon, j'ai de la place. Je pense pas que je vais mettre tous les animaux dans le même. Sur ce. Ce parc, je peux me permettre de mettre un peu plus d'animaux que d'habitude. Ça va faire un peu plus d'animaux et sur des zones un peu plus vastes. Pas mal. Hop. Voilà. Sinon, un enclos comme ça fait que c'est du 30-40 pour des assez petits. Une vingtaine pourrait le faire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends très bien, t'inquiète pas. Mais j'aime bien jouer sur la taille, sur le démesuré, sur les. C'est plus une question de. Je sais que même dans un parc zoologique, ça serait jamais grand. Pas aussi grand, du coup. Mais dans ma tête, je me dis bon. Mais en partie standard ou même en défi, je fais pas des enclos aussi grands. Hors de question. Ça coûte beaucoup trop cher. Puis bon. Je pense qu'en soi, ils passeront pas là. Ouais. Oui, après, j'ai un peu vaguement l'idée de ce qui pourrait passer. Je pense pas qu'il pourrait sauter, par exemple. Donc je me dis que ça va, je suis tranquille là-dessus. Mais là, j'ai conscience qu'il pourrait se passer. Et il pourrait passer. Donc. Oui. Après, vous voulez en rajouter un peu?
Attends. La porte d'enclos, j'ai prévu de la mettre là. Clôture, porte. Comme ça. Zone d'échange plutôt. Et toi? Non, 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 non. Quand on va trop vite. Voilà. Ensuite, comme que j'intègre. Il y a un moyen d'éviter qu'à chaque fois ça recule comme ça la caméra quand tu fais les zones de travail. Parce qu'à chaque fois je suis pile devant ce que je veux pas intégrer, d'un coup, pff, ça me sort du truc. Un mètre 25, j'ai regardé. Là, ils sont un peu trop, mais ça va. Vu qu'il y a des vitres, je me dis que trop bas, ça casse, ça gâcherait la vitre. Il devrait pas tarder. Oh. J'ai un peu frisé là. Voilà, le loup arrive. Alors, déplacer. J'insère un peu plus quand même. Ouais, c'est le genre d'endroit qui me fait un peu flipper. Faut quand même que je vérifie. Alors. Je pense qu'ici, c'est une zone de fuite. Même pas. Là, il y a là-bas, mais là, c'est même pas une zone de fuite. Ça me surprend. Et là, pourquoi? Ah, c'est peut-être. Ouais. Ouais, là. Non. Je me dis, au pire, je pourrais peut-être augmenter la taille, la hauteur. Hop, allez. Changer de rocher. Hop là. Deux fois. Pas là-bas. Bah, apparemment, c'est tout bon. Attends, c'est. Ça me surprend quand même que même là. Regarde, là, il arrive jusque-là. Alors, je sais bien qu'un loup à la base, c'est pas censé sauter de bien haut, mais quand même, là, c'est juste deux. Ça, c'est 4. Non, ça, c'est 4 mètres. Ah si, ça fait haut. Donc ça, en fait, je pourrais quasiment tout enlever. Ouais. En fait, moi, je visualise le ch un loup pourrait très bien sauter et passer dans l'eau, tu vois, par exemple. C'est pas si loin que ça, quoi. Il y a quoi? Il y a 8 mètres avec de l'élan, il se barre. Par exemple, ce genre de truc que moi je vois, je visualise, en vrai, l'animal le ferait. Quitte à se blesser, l'animal, il préférait peut-être se barrer. Donc pour moi, ça me paraissait censé qu'il se barre. Tu prends un animal sauvage, tu l'enfermes, il cherchera toutes les solutions, quitte à se blesser. Je pense. Tac.
Pas le dupliquer. Ouais, là, les singes, ouais. Mais je pense que les singes, le jour où j'en fais, ce sera une île. Sûr et certain. J'ai vu quelques tutos d'île et franchement, il y a de quoi faire. Terrain. Ici, on va peut-être un petit peu. Il faut quand même qu'il y ait un peu de forme. Ça me paraît pas mal. Ah, ici. Ça serait la tanière. Une partie de la tanière. Je me suis remis un petit peu sur Tycoon. Pour voir un petit peu comment le jeu était, tout ça. Et franchement, faudrait qu'ils remettent un petit peu la main dedans. Ouais, j'imagine qu'ils passeraient par-dessus. Je vois l'idée. Ouais, il passerait par la liane et après il passerait par-dessus l'enclos. Ça, ça me paraît sensé. Après, les singes pour le moment n'ont pas été demandés. Moi personnellement, j'irai pas naturellement dessus. Je suis pas fan des singes. Des singes dans la vie. Donc, je verrai. S'ils sont demandés, je les fais. Sinon, de moi-même, je les ferai pas. Commencer à donner un petit peu de forme. Voilà, ça paraît pas mal. On va lisser un peu. Et voilà, ça me paraît pas mal pour une tanière de loup. Ça pourrait être la tanière d'un loup, d'un ours aussi. Et pas qu'ils savaient quasiment tout. Ah! Ah oui! Oh putain, oui! Ah, la surprise! Oh la surprise. Moi ça a été les tigres. J'avais zappé la taille qu'ils demandaient. J'ai fait la connerie quoi. Quand tu t'en rends pas compte, tu dis ah c'est bon, l'enclos est tel qu'il faut, tout ça, j'avais tout mis. Et d'un coup je vois le premier tigre qui rentre, qui fait pouf, pouf, 2 secondes après dehors. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, bah abruti, t'as oublié qu'il leur faut un enclos de 3 mètres de haut. Et donc oui, j'ai eu la surprise. Et là par contre, l'idée des. Ouais. Non, ici par contre. À éviter. Oh la surprise. Je remonte un peu ici.
je me dis qu'ici je pourrais même encore continuer à. Avancer un petit peu encore la corniche. Là. Ça me paraît pas mal. Un moyen de grimper là-haut, comme ça leur fait. Ça agrandit un peu leur zone. L'enclos est pas tout plat. Ça me paraît pas mal. Je sais qu'il est grand. Et qui arrive, il est trop grand. Mais. Ici. Ça va donner un peu de forme au terrain. Par exemple, il y a un truc que je mets jamais, c'est les abreuvoirs. J'y arrive pas. Faut forcément que je fasse un bassin d'eau. Où ils vont ils vont boire. Dans ma tête, je me dis. Ça coûte que dalle à faire un petit bassin. Fais un bassin, mais pas une. L'abreuvoir, c'est moche ce truc. J'ai pas envie de voir un truc comme ça quand je vais voir un animal, moi. Enfin, je vais voir dans un zoo. Ça me semble pas mal. Maintenant, la zone d'eau. Je pense la mettre là. Un petit bassin là. Comme ça. C'est un peu profond là quand même. C'est même très profond. Sympa. Bah, je pensais faire une maison abandonnée. C'est une espèce de maison en ruine. Et j'ai. Ouais, bah j'irai voir. Le début. Ouais, j'ai vu ça. D'accord, le début, oui. Je regarderai ça, de toute manière, je reverrai. Mais ouais, j'aime bien l'idée d'avoir un bassin. Enfin, un bassin. Je suis tellement dans le bassin que je pense au bassin. J'aime bien l'idée d'avoir une petite maison abandonnée pour les animaux. Mais je sais pas si c'est. On n'a pas beaucoup de ruines en fait dans les trucs. Je sais pas dans les futurs DLC, dans les autres DLC. Mais pour le moment, j'ai pas eu l'impression d'avoir quelque chose qui me parle de ruine. Pourquoi je ne peux pas mettre ça? Et je regarderai, t'inquiète, hein, je vais faire le tour. J'y vais quasiment tous les jours dans le Discord, je vérifie, je vois un peu ce qui se passe. Si je vois qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose, bah je dis rien. Pas plus dans l'instant. Pour l'instant, ouais. Ah, c'est ce que j'ai cru voir. Ouais. Mauvaise touche. Le mètre 25, ouais, ça reste des. J'ai peur qu'avec 1,25 m, les vitres soient trop basses. Les gars, bah, ils verraient rien. 1,25 m, ça me fait ça, quoi. Du coup, j'aurais même pas besoin. Attends, voilà. Ouais, à peu près ça. Ça fait pas. Alors, ça peut faire clôture. Enfin, balustrade. Et ouais, ici, je montrais un peu. Pas. Comme ça. Monsieur le loup, t'en es où?
Apparemment, tout va bien. Attends. Ça a bien passé. Oh bah écoute, apparemment c'est bon. Ah si, là. Voilà, bah c'est plus trop. Regarde. Déplacer. Et c'est dans le DLC Amérique, c'est ça? On commence. Ah, apparemment, c'est bon cette fois. Ah bah voilà, l'employé est sécure. Pour les employés. C'est bon. Bon. Ah, il n'y a plus qu'à travailler l'état. L'aspect. Le terrain. Ouais, ils aiment. Ah, ils aiment l'herbe longue. Non. Ils aiment la neige. Sérieux? Ouais, bon. Je suis pas un grand fan de la neige, mais on va faire en sorte. Hein. Nice. Ensuite, je passe l'intensité. Intensité à fond, pratiquement. Et ici, on passe quand même au bord d'une montagne. Voilà. Ça paraît pas mal. Mine de rien, le PNJ est censé marcher tout là. Donc c'est censé user l'herbe. Ici. Ah, ça commence à prendre forme. C'est là où tu te rends compte quand même que l'outil est puissant. Ça te change la texture, ça te change aussi un peu la côté lisse à côté de rugueux comme ça. Et tu dis que c'est la même chose. Mais juste le moteur graphique, il arrive à te dire, bon bah ça, voilà. Sur Planet Tycoon, il n'est pas aussi puissant, je trouve. Enfin, coaster. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est Tycoon. Ensuite ici, je vais le faire en lisse avec un peu d'herbe quand même. Bon, bah ça a l'air d'être pas mal. Ici aussi. Par contre, l'herbe courte, oui. Ils aiment vraiment pas. La terre, ils en veulent. Je vais en mettre. Et un peu moins. Puis autre. Je dois avoir un russe. Dans le chat. Enfin, dans les viewers. Il y a quelques semaines de ça, enfin quelques jours de ça, j'ai eu un grec aussi.
qui lui a parlé. Comment expliquer à quelqu'un, à un grec, que comprend pas ce qu'il écrit? En dehors d'utiliser Google Translate, qui lui-même comprend pas forcément ce que tu lui écris. La pire fois, ça a été avec des Allemands, par contre. J'essaie de discuter avec des Allemands qui parlaient pas du tout anglais. Donc, traducteur hors service. J'ai essayé de parler l'allemand avec le même traducteur. C'était horrible. Les potes qui se foutaient de ma gueule. Apparemment. Toi, utiliser de la terre. T'as déjà essayé. Enfin, je sais pas toi, mais moi, l'allemand, c'est hors de question. J'y arrive pas. Là, montagne. Ah, ça commence à être pas mal. Franchement, là, l'enclos, je suis content. Mettre un peu de terre. Hop, on va épurer plus rapidement. 10, la roche. C'est vraiment pas l'herbe. Et je sais que dans mon Discord, il y en a un qui a bien aimé tes structures. Et il était dégoûté de ne pas pouvoir se payer un PC. Peut-être la langue secondaire allemand, enfin belge. GTS, c'est hors de question, j'y arrive pas. Bon, c'est ici que ça me surprend. J'ai essayé, je te dis, j'ai pris le texte que je voulais dire. J'étais admin sur mon serveur Conan. Je commence à écrire ce que je veux dire en français. Je vois les traits, les mots, les lettres. Je fais ok, bon, on va essayer de le dire. Mot à mot. Je pourrais pas te dire. Franchement. Dans les deux cas, c'était la galère pour moi. Pourtant, je connais des Néerlandais. Hein. Je suis abonné à une d'entre elles. Je suis invité à un de ces mariages. Pas longtemps. Elle parle exclusivement anglais au néerlandais et japonais. Et j'ai écouté le néerlandais, j'ai trouvé que ça piquait tout autant les oreilles que l'allemand. C'est possible, hein. Je trouve que l'allemand, j'ai vraiment trop du mal. Entre l'accent qu'il faut avoir, les lettres qui ressemblent, qui ne veulent pas dire ce que ça reflète. Comme l'espagnol avec le N et le nieu, là. J'ai vraiment du mal. J'ai beau essayer, à chaque fois je me fais avoir et je dis, j'étais l'admin le plus ridicule qu'il y avait ce jour-là. Lire mot à mot de l'allemand alors que tu dois avoir forcément des accents à avoir, des mots qui se disent d'une autre manière, des lettres qui se disent d'une autre manière.
Moi, c'était hors de question. J'y arrivais pas. Même la nana qui était à l'allemande est en mode ouais, j'ai pas compris. Meuf, je suis en train de parler dans ta langue. Fais un effort. Je passe pour un abruti de voir mes potes qui sont juste joueurs sur le serveur. Essaie de faire un effort. Oh, ils sont marrants. On s'est bien marré, quoi. Mais bon. J'y arrive pas. Simple, clair, net, précis, l'allemand, c'est une langue que je n'arrive pas à prononcer. De baisser au max. Ah oui. Exemple. My name is. Mijnam is. My name is. Alors j'imagine que celui du milieu, le deuxième, ça devait être le néerlandais. Et pour le peu que t'as entendu, je ne dirai pas plus. Et là, il y a quand même une langue qui est quand même assez agressive et ces accents demandent quand même un bon taf. Voilà, ça paraît pas mal. My name is. Ouais. Mijn. Mijn. Non, c'est ça, c'est Mijn. Name is. Et l'autre, c'est Main. Name. Name. Is it. Voilà. Pierre, c'est que j'y retourne. Enfin, ça doit être un truc comme ça, non? Voilà, c'est pas mal. Maintenant. Nature. Ça, c'est où? Good. Ah, je vois bien que j'ai dit de la merde. Hein. Ouais, frêne. On va mettre peut-être quelques chaînes. Ici, du chêne. Amérique, Europe. Toundra ou tempéré? Tempéré. Ensuite, alors ici, boulot blanc. T'es où? Oh, bâtard de loup. Te voilà. J'ai vu qu'il y avait ça. Le boulot blanc, j'imagine. Ça passe. Ouais. Ensuite. On en est où? Bah, mine de rien, ils en demandent pas tant que ça en fait. Hein. Y a tout ça disponible, mais s'en foutent. Cuisson, non. Pas maintenant. Chêne, oui. C'est un beau chêne, ça. Ah, faut être un autre chêne en plein milieu. Ensuite, je ne veux pas non plus envahir la zone de chaîne. Hop.
énormément de place, c'est carré. Voilà. Night. Oui. Ah, c'est là où tu vois, j'avais juste l'impression que c'est de l'allemand et le néerlandais se ressemblaient. Après, ils sont voisins, donc ça peut peut-être aider. Ensuite, est-ce que j'ai mis des trucs qu'ils aiment pas? Non. Ça, c'est quoi? Ouais, ça me paraît pas mal. On va faire un autre bosquet comme ça. Ici. Un autre. Voilà. Où gère? Je sais pas. Peut-être là. Avec. Sont parfois les mêmes mais écrits différemment. Oui, j'ai entendu ça, oui. C'est aussi une particularité que j'ai trouvé assez intéressante sur les deux langues. Voilà, pour le moment, je suis surtout en train d'essayer d'apprendre un peu l'anglais. Utilisé pour le mariage. Je sois pas un boulet en mode au milieu des gens et que ça, je sois obligé d'avoir un traducteur à côté de moi tout le temps. Et Kicht. Oui. T'as même le être, il prend une tonne de place. Attends, non, c'est pas le être. Si, c'est un ou. Ok. Il est grand. Voilà. Ensuite, ça, c'est un jeune chêne. Ouais, peut-être. Est-ce que ça passe? Ouais. Ouais, effectivement, c'est ça se ressemble. Je suis d'accord avec toi. Mais après, même les mots, mais bon, j'ai les mots. Voilà, dans ma prononciation, dans ma tête, c'est comme ça, mais. Pardon. Les mots que t'as prononcé, enfin, t'as posé juste avant, il y a certains qui se ressemblaient. J'aime pas les deux, quoi qu'il arrive. C'est des langues un peu agressives à l'oreille. T'as l'impression que le gars ou enfin la personne qui va te parler va te cracher à la gueule tout le temps. Sans le vouloir, bien évidemment. Bon, encore l'anglais, ça c'est un peu plus mélodieux. J'ai mis ensuite les langues un peu asiatiques. Même si chez eux, ils ont tendance à avoir des phrases de 30 mètres, 30 km. Alors que bah, ils vont juste te dire bonjour. Ils mettent 15 minutes pour te dire bonjour et toi, t'as. How are you doing? Hey, I'm fine and you, Neko Natsumi. Bah voilà, la néerlandaise, elle est là. Hello Natsumi. How are you? Voilà là. yes. Level 1 in English.
Et là, tu peux te foutre de ma gueule parce que j'essaye de mettre un petit traducteur à côté pour essayer de mettre. Yes, I know. Donc, tu vas voir le cours d'anglais et tu te dis que derrière, je vais passer un mariage comme ça. Donc, tu peux te foutre de ma gueule, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu parles très bien, mais ça l'écrit. T'es sûr que c'est écrit comme ça? Que moi, même là, aspect que alors que speak, voilà. Belgium, c'est ça hein, pour Belgique. Et non, donc ouais. C'est elle qui m'a un petit peu lancé, fait lancer sur Twitch, en fait. Belgienne, ouais, c'est ça. Elle a une petite chaîne aussi qui est sympathique. Bon, en ce moment, elle est un peu moins active parce que c'est pas la forme. No. After. I have finished Koala. Et là, tu as utilisé le translate, non? Je vais être obligé d'utiliser un traducteur. Je. Direct. Voilà. Bonsoir, Ace. How are you? Ace, c'est le copain de Natsumi. Donc, même langue, même galère. Yes? How are you, Ace? Bon, ouais, j'essaie de. Voilà. Wolf. For Wolf. Ah, je vais être obligé de mettre traducteur direct là parce que là je comprends plus. Yes, I know. is Saoru. A2, ça veut dire de deuxième niveau, c'est ça? Donc tu parles bien l'anglais, mais I know. Ouais, Wolf. Là, je pense que l'enclos est fini. Hop. Enclos crocodile. On dit ça serait quoi? Te fous pas trop de ma gueule, hein? ouais, c'est crocodile en anglais.
Très hors anglais. Très fort en anglais, c'est ça que tu veux dire? Oui, ils sont amusés à, bah, vu que je suis seul en français dans leur commune, à apprendre quelques mots comme ça. Crocodile marin. Mine. Bien sûr. Tu devrais oser. Yes, Croco. Marines. You prefer cats, hein. Donc, j'ai essayé de prendre un peu l'idée de... Comme tu te souviens, hier, j'avais pas encore mis les pilotis. Je les ai mis. Faut oser, faut oser. Je suis pas le gars qui va être choqué parce que tu te fous de ma gueule. Koala, bon, bah, here. I think I remember it. Reptile is not my think. Koala. Oh, tu freeze. Un petit bug là. Enfin. moi c'est plus de. je sais, j'ai une voix tellement sensuelle là en anglais. Je pourrais draguer une anglaise sans problème. Mais il me faudra quand même un dico à côté. Ça fera pas très sexy. Fort Panda. Ok? Je parle comme je lis. Ah, désolé, mais quand t'es. Bah, j'y arrive pas en fait. C'est ça le truc. C'est que si j'essaie de mettre l'accent, j'ai l'impression d'être crétin. De faire le crétin. Ah, nice! Qu'est-ce qui se passe? Blessure. Ok. Ah, j'ai dû choper un loup qui était. Je sais pas, j'arrive pas à mettre l'accent. J'ai beau essayer. Ouais, mais c'est naturel chez eux. Tu vois le truc? C'est que c'est chez eux que ça. Ouais, t'as raison. J'y arrive pas. J'ai beau essayer, ça rentre pas. Il y a un moment donné, ça me bloque. Donc, puis je sais même pas en fait à quel moment faut que je mette l'accent, sur quel mot. Ça, le truc, c'est que j'ai beau écouter un peu des. Par exemple, je prends l'habitude d'écouter quelques films, quelques séries en anglais. Et j'arrive pas dans ma aux oreilles ça passe j'arrive pas à mettre la connotation entre l'accent et le mot donc bah pour le retransmettre j'ai encore plus de mal derrière c'est peut-être con hein je sais pas trop comment le et voilà. Sinon, Légio, t'es habitué toi au bateau? C'est le bateau là.
Oh yeah, je vais essayer de parler en anglais. Ça c'est l'anglais, je me fous de ta gueule. J'essaierai. J'ai un pote qui parle bien l'anglais, donc au pire je verrai avec lui. Et ça fout là ça. Peut-être qu'il pourra me donner un coup de main. J'essaierai de parler anglais. L'anglais crétin, bien sûr. Donc pour l'anglais, l'enclos au panda, je pense utiliser les la muraille de Chine, enfin les décos de muraille de Chine tout le long là. Bon, ça va sortir un petit peu de la déco, mais c'était l'idée en fait. Yeah, je veux une tasse de thé avec un petit sucre et un nuage de lait. Là, ça fait le gars qui se fout de la gueule des Anglais. C'est encore pire. Why not? Why not? Oh, j'en sais rien, tu es en train de me dire que les monseigneurs anglais c'est des gays? Earl Grey? Green thé, comment on dit? Thé vert? Green tea? Tu peux. Lâche-toi avec moi, franchement. Je suis pas le gars qui va être choqué pour ce genre de blague. Ok. Croissant. Un nuage de lait. Des petits biscuits. Alors. Matcha, non? Voilà. Un truc qui m'a fait délirer la première fois que je les ai mis. Je sais pas toi, c'est ça. Je ne dirai rien là-dessus. Ah oui, mais elle est aux Pays-Bas, donc là-bas, je crois que c'est légalisé à certains endroits. Non. Alors on va essayer avec le filtre. Matériaux. Cannabis thé? Ti? Le vrai thé d'Amsterdam. Oh ouais. Ok. Jamais essayé. Ah, d'un autre côté, je suis jamais allé à Amsterdam. Un truc comme ça, t'en penserais quoi, toi? Je mets à l'intérieur des rochers pour éviter qu'ils se barrent. Et un enclos fait avec ça. Bon, je mettrai pas de partout, parce que je vais donner un peu de volume.
Là, ça serait de l'eau. Et là, derrière, j'augmente la hauteur. Ouais. I believe I can fly, splash! Oh no! That's right. Aïe 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 aïe, Natsumi. Non, mais c'est particulier, je pense, quand même. Il faut pas beaucoup pour me faire rire. Le bidon d'énergie suffit. Hey. Oui, je peux toucher l'arbre. Oh merde. Oh shit. A tree. No. Flic. Bonjour, monsieur. Gendarmerie nationale. Je ne suis pas un arbre. Et ceci, c'est ma matraque. Penchez-vous, monsieur, pour le toucher rectal. Après ça, plus jamais t'en bois. À moins d'aimer ça. Ça, tu te démerdes après. Yes, for panda. Ok? Je sais pas, je me dis que ça. Je ne touche pas à ça personnellement, donc bon. Les gars, ils viennent et bon. Trash. Trash. Alors. Ah. Ça le rend pas. C'est pas top. L'idée est pas. Déjà. Voilà. J'arrive pas, j'ai pas d'idée. Alors, ce genre de truc ici pour faire la. Well. Ça c'est quoi? Ok. Non. Déjà, je vais faire l'enclos. La clôture. Pour le panda. I'm not full. No, no, no. Little bit. Niveau 4. Pour un panda. Bon, on va mettre ça. Voilà. À tout hasard, ça peut poser problème ce genre de conversation sur Twitch? Ah.
On ne cautionne pas ça, vous inquiétez pas. On ne cautionne absolument pas ce genre de consommation. Et là, tu vas dire que... Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh shit! Qu'est-ce que t'as? Social. Stress. Merde. I'm full? Non. stress. Yes, oui, c'est vrai. T'as raison. Il est passant. Doit faire stresser. Voilà. Bon, Pacer by Most Makes and Stressed. Sorry. Mine d'autres stress. Is here. alors. Non, c'est pas là. Évidemment. Là, c'est le truc que j'utilise tellement pas. No. Not here. Or, goodbye, Neko Natsumi. Or maybe he a dessus. En mode. Et on se fout, on a le droit de se foutre de ma gueule, y a pas de souci. Haché, yes. Ça serait dommage. Aini Neko va lui mettre là. Tu penses que ce serait mieux que je mette ne pas nourrir pour les crocos? Manger ta main, ouais, bah oui, c'est ça le truc. Après, peut-être que si tu montes sur leur dos en mode rodéo. Top in rodéo mode. Porc caresse. bye bye Natsumi. Yeah. La fin. Ok. Est-ce qu'on peut voir les statistiques de l'animal? Je me souviens plus. On les voit comment? Je sais plus. C'est la taille, le poids, les trucs comme ça. Généalogie, non. Social, non plus. Attrait, statistique, physique. Ah, c'est là. Is. Crocodile, caïman. Yes. Is. Et les gens qui s'amusent à mettre le bras dans leur gueule.
J'avoue, même juste le fait de vouloir les caresser, je comprends pas. Yeah, ça y est. There is DLC with the Caïman in game. Sorry for my pronunciation. Attends. Désolé parce que j'utilise le traducteur en même temps. Et catch Neko Natsumi? Et swallow Neko Natsumi? Oh. Oh. Ok. Just what your arms. Panda, panda, panda is here. Voici l'enclos. Oh. Yes. Sûrement. Ah. Oh. Il te chope, t'as juste envie de mourir vite, vu comment ça se finit avec eux. Mon anglais est dégueulasse, donc. Ouais, du coup, j'ai passé la journée à faire un putain de PayPal, tu sais, réussir à mettre un putain de lien. J'en ai chié! Casse-couille à trouver les liens quand tu connais pas. It's me. On raccourcit. Je vais éviter que ce soit trop proche du chemin quand même. Non, non, I'm not full. Mais j'ai bien prévu d'apprendre l'anglais un peu. Enfin, j'apprends doucement, mais bon. Je veux améliorer mon anglais. Ça, c'est sûr et certain. Oh, Ace is not here. Je vais bien. Je vais bien, tout va bien. Je sais pas pourquoi. Ça n'irait pas. Je suis du genre à faire l'abruti.
Oh, ok. Non, mais moi, si je vais à l'hôpital, c'est fini, hein. Non, ça... j'ai passé le début d'année à l'hôpital. Stop, hôpital. Ensuite. Oups. Voilà, pour éviter qu'il se barre. Pareil ici. Aïe. Acide. Even though it's still acidic, right? Yes. Tout est en feu. Ah, ça. Ah, yes. Lavogène, il y a... Coucou. Bonsoir, Miss Kitty. Comment tu vas? Bien la journée. Du coup. Oh, merci pour le follow. Merci. Miss Kitty Gameuse. Ah bah bienvenue parmi le noob que je suis. Bon, le noob. Ça fait longtemps que je joue. Mais bon. Ah. Bah écoute, ça va faire un mois et demi, peut-être 2 mois que je suis sur le jeu. Et ça va faire 3 semaines que je stream et... Je dois faire à peu près 2 ou 3 vidéos dans la semaine de ce jeu. Je suis très mauvais hein, par rapport à. Genre, bah, t'as les Geo Channel de l'étrange sur la chaîne, là, enfin, dans les follow, qui lui, de son côté, est quand même beaucoup plus expérimenté que moi. Mais j'adore le jeu personnellement, donc j'améliore mon skill au fur et à mesure. Je prends les informations un peu de partout. Les jeux aussi m'en donnent des fois, donc bienvenue. Si je peux te donner des conseils, si ce que je fais peut t'aider, bah, ce sera avec plaisir. Et puis, bah, si tu veux discuter de tout et n'importe quoi, tu peux. Même te foutre de ma gueule si je fais des conneries, il n'y a pas de problème. Si je dis des conneries, comme je le dis depuis tout à l'heure, t'as le droit. Je risque de mordre, hein, mais t'as le droit. On est entre nous, on est là pour s'amuser et se marier. Du moment que c'est du poli, c'est
Y a pas de manque de respect envers qui que ce soit. Moi, le reste, ça me va. Attends. Alors là, je pars vraiment en freestyle. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que ça va être dégueulasse. Il y a de fortes chances que ce soit dégueulasse. C'est un enclos à panda qui a été demandé par Nico Natsumi. Ce que je demande aux follow, quand ils sont présents sur le serveur, sur le chat, au moment où je joue, et que j'ai fini l'enclos. Ah bah tu peux, moi je demande qu'une chose, c'est une communauté qui participe. Si c'est pour se foutre de ma gueule ou taquiner ou tout comme ça, j'ai aucun problème. Du moment que ça reste respectueux, j'ai aucun problème. Faut se marrer entre nous, hein. C'est mon principe, c'est toute bonne communauté doit savoir se marrer. Pour moi. Yes. I remember. Non, moi je tiens à ça. Moi. Faut taquiner. Respect, ok. Mais taquiner, c'est important. Faut une bonne communauté qui soit soudée. C'est ça. Surtout quand c'est sur ma gueule. J'essaie de le faire essentiellement le lundi soir. Si, parce que là, j'essaie de voir pour mettre des lives l'après-midi. Donc, ce sera pas impossible que j'en fasse à ce moment-là. Pardon. Après, éventuellement, si je vois que j'ai un jeu qui attire pas du monde ou qu'il y a une attente quelque part, bah, je remettrai du plus régulièrement de ce jeu. Là, par exemple, hier soir, j'en ai fait. À peu près dans ces heures-ci. Oh, yeah. My English is so good. Apparemment, il est très gay aussi. Oh. Le fun, c'est le plus important à mes yeux. Voilà. Ça me semble pas mal. Alors, j'essaye de faire du... Bah, de toute manière, t'as tout dans ma bio. Je fais du Satisfactory, essentiellement, je crois, le jeudi. Après, ça peut bouger. Le vendredi, Empyrion. Le mercredi soir, de mémoire, parce que des fois, ça me passe dans la tête. Des cours de français. Pas à l'époque. Ah, not good, not good. C'est pas grave. Ça, j'ai juste à modifier le mur et sa face. Ensuite, je fais du noob. Normalement, ce sera demain soir. Le noob RPG qui est sorti il y a pas longtemps. Et après, j'essaie de me... Non, je crois que c'est tout. Ah! Yes. Pour moi, ça va être de la déco là. Clairement, ça. Hop, plus de mur. Je remets un mur qui est comme celui-là derrière. Dupliquer, je tourne la pièce. Voilà. Ah! Voilà. Ça fait plus tour de fin de muraille. Je peux peut-être dire de la merde aussi, hein. Mais je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Non. Non, j'aime pas ça. Là, comme ça, j'aime bien. Peut-être une fenêtre. Fenêtre.
Top. T'es débutant depuis quand sur le jeu? Ah, bah, profite, Natsumi, profite. Voilà. My French is not good too. Hein. Super familier, comme on dirait, familier. Je sais pas du tout là. Pourquoi? Ah, je sais pas, j'aime bien le côté d'intégrer ça en fin de muraille. Qu'est-ce qu'on peut faire un zoo à deux? Ah, je pense pas, non. Par contre, ce qui se fait. Ah, longtemps que vous pouvez avoir une conversation simple et droite. Yes! Maybe. Ce qu'on peut faire. Je vais te donner un exemple. Parce que là, pour le coup, j'ai pas sauvegardé beaucoup de trucs. Là, mon entrée. Oups, je vais trop vite. Ça. Je l'ai sauvegardé sur le Steam Network. Tu vas sur Steam Network, tu cherches mon pseudo qui est Benoît Lacaux sur Steam. Et tu as juste à le télécharger. Tu t'abonnes et tu l'as. Et c'est le genre de truc qui fait que, ben, certes, tu fais ton parc toute seule. Tu mets ton style, ton design à toi. Mais des structures, tu peux les emprunter aux autres. Donc, t'es pas non plus totalement toute seule. Je pense que Legio va dire pareil. Mais en soi, je pense que c'est comme ça. C'est que tu peux pas jouer avec quelqu'un d'autre sur le même zoo de manière directe. De manière indirecte, tu peux récupérer ce que les autres proposent. Je sais que sur ma boutique, j'ai 3-4 structures. Bon, c'est essentiellement de l'Asie, thématise Asie. Donc, tu as juste à aller sur Steam Workshop du jeu. Yes, it's good beer. not tower hein, for this. Donc, pour donner un ordre d'idée, par exemple, ça, je crois que tu le payes 50 000 après ton zoo. Genre, tu fais ton parc avec des thunes, des filles ou. J'ai bouffé le nom. Si t'es abonné, tu l'auras ici. Et t'as juste à l'acheter pour 50 000. Si t'es en créatif, t'as juste à le télécharger et puis bah ça quoi. Donc, pour te donner une idée, j'ai une structure qui ressemble à ça. Et dans le workshop, et t'en as d'autres. Hein. Moi de mon côté, c'est petit ce que je fais. C'est Légio, encore une fois, il fait largement plus que mieux que moi, je pense. Hein. J'en suis même sûr. S'il peut te donner des conseils, bah voilà. À tout hasard, si tu veux voir, j'ai un Discord. Si. Si, c'est bon. On a des bonnes bières en France. Les artisanats sont très bonnes. Les Ninkasi, elles sont pas mal. Ben, en fait, ouais, j'en reviens à ce que je disais. J'ai un Discord, donc Legio est dessus. Il partage des fois des photos, des trucs comme ça. Ben, il est dans la bio. Tout ce que je dois partager, que je pense nécessaire à partager, y est. T'as juste à nous rejoindre, t'es la bienvenue. T'es au milieu d'une auberge. L'environnement qu'on est en train de créer, c'est ça. Une auberge naine. Est-ce que tu connais la licence, le donjon de Nalbuck? Oui, t'inquiète, j'avais bien compris. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, il devrait être disponible avec. Bah, non du tout. Alors, le donjon de Nalbuck,
C'est une licence qui est quand même assez vieille, de 96 de mémoire, créée par John Lang. Et dans l'idée, c'est une bande d'aventuriers qui ne se connaissent absolument pas, dans un univers héroïque fantasy, qui vont dans le donjon de Nalbug, justement, pour y chercher une statuette. Et le truc, c'est que ces aventuriers sont très mauvais. Ils sont, quand je te dis très mauvais, c'est qu'ils sont vraiment très mauvais. Et dans le groupe, il y a vu qu'on est quand même dans un univers héroïque fantasy, il y a les stéréotypes. T'as les nains, t'as les elfes, t'as le barbare, t'as le ranger, t'as plein de petites classes comme ça. Et le groupe est essentiellement, je crois qu'il y en a 7 dedans. Et il y a donc un elfe et un nain. Et dans la plupart des univers héroïque fantasy, les elfes et les nains ne peuvent pas se saquer. Ils ont de très bonnes relations envers les autres races, même si les nains sont un peu rageux. Mais entre eux, c'est hors de question. Ils n'arrêtent pas de s'insulter, ils n'arrêtent pas de se taper dessus. S'ils ont moyen de tuer l'autre, ils le feraient. Et le donjon de Nalbuk, je m'en suis inspiré pour notre environnement sur le Discord. En gros, on est une bande on va jouer un rôle quand on essaie de discuter. Donc, je sais pas, par exemple, tu as décidé de faire l'elfe. Ben, tu vas essayer de jouer un petit peu dans le rôle. T'es pas obligé, hein. Mais on essaie de jouer là-dedans. Par exemple, moi, je suis un nain. Et ben, on va essayer d'un petit peu cracher à la gueule des elfes. Et dans un futur proche, si on commence à bien remplir notre communauté, on pense faire une espèce de concours d'insultes. Mais dans cet environnement. En gros, bon, je ne peux pas trop aller loin dans les blagues parce que. Enfin, Twitch. Mais dans l'idée, y aurait deux clans. Les deux clans seraient peut-être soit exclusifs par rapport à des races. Soit ce serait des mixtes. Et le groupe qui insulte le mieux, qui seront quand même notés par les admins, gagnerait le concours. Bon, ça reste du délire, c'est du what the fuck, mais ça rentre dans le thème. On cherche à se taquiner, à jouer le rôle. Si t'as pas envie, t'en voudras pas. Y a pas de souci, hein. On n'a pas tous l'envie de jouer un rôle là-dessus. Et. Tu discutes, si tu as envie de partager des trucs, tu les partages, on est les premiers à te demander de le faire. Good night, Natsumi. Donc dans l'idée, c'est ça, on veut partager la communauté, faire partager les autres communautés. Donc si tu as un Twitch, tu as un Discord, tu as un YouTube, tout ce que tu veux, tu les partages, il y a un coin pour ça. On cherche vraiment à développer le délire du. On rassemble les communautés, donc le principe d'une auberge, pour redistribuer aux autres. Et bien évidemment, garder quand même une forme de fidélité. Parce que si vous barrez aussitôt, bon, ce serait quand même dommage. On sera jamais plein. Mais dans l'idée, c'est ça. T'es libre de venir. T'es libre d'en partir, on t'en voudra absolument pas. T'es libre de blaguer avec nous, t'es. Enfin. Je sais pas mieux comment mieux vendre le truc. On cherche à être une bonne bande de loufoques. Les joyeux loufoques à la Japon, l'école foufoufou, ce serait pas loin. Mais la version héroïque fantasy. Et là, je viens de dire quand même une licence qui est très vieille et je sens que quelqu'un va me dire, que tout le monde va me dire c'est quoi. Ah, l'école foufoufou, c'est un vieux manga. Vieux manga. L'époque Club Dorothée. Est-ce que tu veux que je te fasse une visite du parc pour que tu te fasses un peu l'idée de certains trucs? t'es sûr que ça vient de moi, ça?
là c'est peut-être un peu profond là. Pas ceci profond. Voilà. Ouais, y a pas de souci. Ben, je commence mes lives aux alentours de 10h30. Donc, t'es la bienvenue. Et bah, on se retrouve ensuite bah, sur le Discord si tu nous rejoins. Y a pas de souci. Si t'as besoin de structure ou... T'as pas de soucis, t'inquiète. Si t'as besoin de structure, des trucs comme ça, au pire, on peut très bien travailler ensemble. Je me mets dans un coin dans le parc. Je construis vaguement ce que tu penses et puis voilà. Je partage le truc, t'as juste à le télécharger, tu l'auras. En tout cas, t'es la bienvenue. Merci pour le follow et puis bah à quand tu veux. Ah, je t'avoue que c'est vrai qu'il est quand même 1h du mat. Donc cet enclos m'aura donne bien mal à la tête parce que je sais pas du tout sur quoi je vais. Mais y a pas de souci pour la commune. T'hésites pas. Voilà. Bon jeu à toi. À la prochaine fois. Bonne nuit. Fais de beaux rêves et à une prochaine fois. La bonne ambiance, c'est la priorité. T'en penses quoi là, Ligio? Bon, je sais que c'est un peu hors sujet par rapport au reste. Là, je t'en prie. Mais en dehors du fait que ça soit hors sujet, l'idée de base pourrait être bonne, non? Je fais une espèce d'autre grotte ici où je mettrai les paillasses pour les. Ouais. Parce que, honnêtement, je pars vraiment sur un what the fuck et je sais pas du tout ce que ça va donner. What the flusque? Truc comme ça peut-être. Là. Avec quelques rochers au-dessus. Pour couvrir. On n'est pas nombreux en français qui jouent à ce jeu. Parce que c'est pas la première qui. En tout cas, à ce sorcier. Si, c'est pas la première à passer en me disant tiens, c'est un français. Pardon pour les bruits de gorge. Petite irritation en ce moment. Oh non, ça si. J'ai peut-être un peu abusé sur... oui. Hop. Voilà.
Là, hier soir, bah, comme je te disais, j'étais raid. Bah, il sortait d'un live avec Zo et j'étais seul à streamer à Starcy. Donc, c'est ça qui me surprend, c'est que bah, je suis apparemment le seul à Starcy à être là-dessus. Donc, est-ce que ça serait pas un bon plan que je reste sur ce créneau horaire ou. Propose plusieurs créneaux. Ah, ici, ce sera recouvert. Alors. Chez cette gorge. Pas aller trop loin. En dessous. Là. Donc, t'en es où toi ton projet sur les varilles là? L'inspectrice est partie. Connasse. Pardon. Les streams français sur Twitch. Enfin, Panizo. C'est pas la première à passer ici justement parce que bah français plus Panizo. On est si peu nombreux que ça sur le jeu. D'accord. Donc en fait, je suis tombé dans un créneau plutôt intéressant. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de demande? Ça aussi. Merde. Donc ouais, au mieux, je pense que ouais, je ferai ça. Je mixerai un peu les créneaux horaires dès que je pourrai faire un peu plus de stream le jour. Je proposerai en milieu d'après-midi et le soir. Vu que le soir, tu me dis qu'il n'y a pas grand monde. Bon. Parce que j'ai quand même, je vois bien, hein, par contre, comme nombreuses. Ah oui, jeu de gestion en même temps. J'ai l'impression que c'est quand même leur jeu, ça. Je vais dire de la merde, mais quand tu regardes jeu de gestion, vu que les jeux de simulation, simulateur de poubelle, d'éboueur, simulateur de je sais pas quoi, ça vient de chez eux, ça, à chaque fois. Je pense que ça doit être dans leur queue, dans leur délire d'avoir envie de jouer à un jeu de gestion. Et par contre, côté allemand, j'en ai pas des masses.
J'ai eu américain, du Mexique, belge, ça, il n'y a pas de souci, j'en ai. J'ai eu quoi? J'ai eu américain, États-Unis, pardon. J'ai vu que j'avais Danemark, ça m'a surpris. Des Danois qui passent. Bon, ils doivent pas parler. Je vois que là, il y a un Piotr, comme ça. Manière, j'avance un peu là-dessus et je vais pas tarder non plus. Quand même, 1 heure, bientôt une demie. Demain, faut que je sois réveillé. Si je veux pas être dans dans le pâté toute la journée, ce sera bien. Je dors. Je crois que bah, j'ai plus qu'à faire venir la bestiole. Ce que ça donne. La salle de repos est là-bas. Ouais, j'en doute pas, mais quand t'es pas habitué, ça surprend quand même un peu. Et j'en suis pas encore à avoir des follow. Hein. C'est vraiment des gars qui passent et puis. Là, pour le moment, les follow, c'est essentiellement du francophone. Et je pense que ça va être normal. Je dois pas proposer non plus un. Ah, déjà, la qualité du son, que j'ai pas la cam. Donc, bon, il y a plein de trucs qui font. On va savoir, dès que j'aurai ma cam, il y aura tout le monde qui va se désabonner. Tête de cul. Donc, continent. Ensuite, je sais que les bambous, ils aiment ça. Ah, c'est mieux. Ici. On va tenter de mettre ça. Des rochers ici, ça va faire essence, non? Je sais plus. Ouais, je vais pas avoir le choix, faut que j'en fasse venir. Là, c'est bon. Je crois que j'ai le droit à plusieurs femelles, mais pas plusieurs mâles. Tac. Hop, zone de travail. C'est mieux. Ça commence à faire beaucoup d'enclos. Bizarrement, ça rend pas mal. Bon, le dodo. Peut-être tout de suite. Ce serait bien que je vois si ça va pas bouger.
Je mets de la terre, il y a de la terre. Pardon. Vraiment la gorge bien irritée aujourd'hui. Panda géant. Son dodo. Dodo. Ça là. Voilà. Auto mode retenu un message pour la raison suivante: race, origine, ethnie. Alors, panda, ça sait nager du coup. Ouais, non, mais j'ai prévu de monter la hauteur là-bas, soit avec des rochers, soit avec un truc. T'inquiète pas, autorisé, pourquoi? Ok, je vois que t'as mis de. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je l'ai passé. Apparemment, le message est passé. C'est quoi? C'est moi qui l'ai mis, ça, l'automode? Je me rends pas compte. C'est un truc automatique chez eux. Non, ça veut dire ça aussi. Ok. Donc, j'ai dû activer ça à un moment donné, je m'en suis pas rendu compte. Genre ce rocher là, je pense. On a un peu. Bah, en fait, j'aimerais. C'est un système qui pourrit, je l'accorde. J'ai déjà vu un peu à l'action sur le stream. Mais moi, de mon côté, vu que j'ai pas de modo, je me dis que. Bon. Pas pour le moment, du moins. Donc, si. Ah, je suis d'accord avec toi. Surtout que le message que t'as laissé, bon, il avait rien de. J'ai cru voir que c'était raciste ou un truc comme ça. J'y vois rien du tout d'offensant, de méchant. De. Mais bon, tant que j'ai pas trop de modo, je me demande s'il faut pas non plus que j'ai quelque chose qui remplace ça, quoi. Alors ok, je suis quelqu'un qui est pas très regardant, mais. Faut quand même que je fasse gaffe, quoi. Que j'attire pas non plus une communauté de merde qui. qui risque de niquer l'ambiance. Et je viens de me rendre compte que je parle comme si comme je pense et que c'est peut-être pas le top non plus. Bah, ça parlait de race. Le message qui était apparu, pourquoi ton message était bloqué. Ça parlait de race. En tout cas, il y avait un truc qui tournait autour de ça. J'ai pas tout vu. Je voyais aucun intérêt. Mais dans l'idée, c'était ça. C'est là où je rejoins ce que tu dis, le truc bloque pour rien. Et n'aura rien à voir qui me fasse dire, bah attention, là, ce message est un petit peu trop houleux. À moins que t'en connaisses un qui fasse le taf. De bot. Et le message autour du panda, apparemment, ça devait être. Un message offensant. D'accord. Ouais, donc j'aurais pu vite fait de temps en temps, vu que je suis la conversation quasiment en temps réel, de faire le taf moi-même, quoi.
pizza. Ah d'accord. Ok. Ouais, c'est bizarre. Ah bah je crois que je vais suivre ce que tu dis, hein. Je retire le bot. Un machin qui fait dire à tout le monde t'es raciste, c'est bien un truc que je peux pas supporter, c'est ça. Bah écoute, à la fin du live ou demain matin, je regarderai pour faire sauter. Merci de l'info, parce que c'est la première fois que je vois travailler. Donc, jusque-là, je me posais pas plus de questions. Me tâte à rajouter un peu plus de bambou quand même. C'est censé être des pandas, ils aiment ça. Je crois que je l'ai mis à 70. Si je dis pas de bêtises. C'était au tout début, donc c'est. J'ai pas retouché depuis. Donc c'est pas impossible que je cours. Je crois que j'avais bien mis à 70. Attends, hein, je suis pas quelqu'un qui demande à faire gaffe à ce qu'ils disent, donc. Du moment que ça reste poli, bon, respectueux. Bon, personnellement, après, tu peux dire tout ce que tu veux de la manière la plus. Bref, t'as compris ce que je veux dire. Je tourne pas autour du pot, je dis ce que j'ai à dire et je préfère avoir une communauté qui fonctionne de cette manière aussi. On va essayer d'un petit peu alimenter ici. Ouais, j'ai bien compris, t'inquiète. Ça, ça va virer. D'accord, je t'ai bien compris là-dessus. Bien compris que c'est de la grosse. Voilà. Et qu'il faudrait vite que je le vire. Ça. Je le ferai après. C'est ici. Ensuite ici. Peut-être là. L'animal qui joue de l'instrument devant les gens. Je sais plus, ils aiment corrompu ou quoi, c'est carré. Allez. Non, s'en foutent. Bon, on va attendre. Ah non, c'est bon. Truc que j'ai mis qu'ils aiment pas. C'est. Alors. T'inquiète, je vais pas tarder non plus. Bah bonne nuit, merci d'être passé encore. Merci pour les conseils. J'ai noté ce que tu m'as ce que tu m'as dit de regarder. Je te dis bah, à la prochaine. Des bisous. Et oui, des bisous. Mmh.
ça rajoute un peu. Pas mal, non? Ensuite ici, je pense mettre du lierre. Ah, au pire, ça peut rester comme ça. Non, c'est lui que je veux. Tout ça, c'est bon. C'est là que ça va pas. Faut plus d'herbe et moins de terre. Ok. Alors, de l'herbe. Courte ou longue, il s'en faut. Pour ceux qui restent, je pense un de ces quatre proposer un stream construction autour de ça. Un peu en mode commande. Il y a un joueur qui demande un truc, il n'y a peut-être pas forcément les mécaniques ou des trucs comme ça. Moi, ça m'entraîne. Et certains pourraient avoir ce qu'ils voudraient, plus ou moins. Donc, bah, ça pourrait être sympa, je pense. Voilà, là, enfin, le terrain est comme il faut, c'est à 100%. J'ai pas mis de merde, ici c'est tout bon, on va mettre de l'alimentaire. Alimentaire, on va rajouter ça. Pas besoin que les gens voient tout. Il faut des fois un petit peu... Ah! Est-ce que ça suffit? Il pourrait grimper. Non, c'est ici. Descend. Ici. On lisse. Voilà. On va mettre un peu de rocher. Ça me paraît pas mal. Alors, t'en es où? Habitat. Hop, hop, comme ça on vérifie. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Le terrain est quand même bien grand. Bah, écoute, let's go. On va bien voir. Hein. Oui, un truc qu'il fallait que je vérifie. Ah voilà. L'enclos est parfait. Ici. Je pourrais donner l'impression que les deux viennent ensemble. Nature. Non. Pas bien. Rocher. Ah, il frise. Là, non. Ici, non. Ici, non plus. Ici, encore moins.
pièce. Il y a l'imprimanteur. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre un peu d'eau. En mode geyser. Comme ça. Réinitialiser le filtre. En haut. Le bas. Ça, non. Voilà. Et pas trop au même niveau, je crois, de mémoire. Ça pourrait être rester crédible. Voilà. Le milieu ici. Hop. 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 Voilà. Faut que j'améliore mon angle quand même. Ça va être indéniable. Voilà. Non, les trois derniers sont de trop. Juste histoire que bah voilà, j'ai quelques petites plantes ici histoire de ça des fougères. Ben voilà. Et je me tâte à mettre un peu de neige. Oh, ça va, l'animal est tout content. Enfin, je me suis pas mal démerdé. Je vais mettre un peu de plantes là. Lotus. Je crois que c'est Lotus que ça passe chez lui. Lotus. Que Lotus. Alors c'est Nénuphar. J'ai essayé d'un petit peu animer la flotte quand même. Voilà. Tac. Il m'en faut un. En cours de transition. Les nénuphars, ça passe. Ouais. Alors. Méthode de flemmard numéro 2. Dupliquer. Déplacer. Tac. Tac. Nature. On rajoute un petit peu histoire de rajouter de la forme. Passer un peu la répétition. On prend un autre. Là. Là. Ensuite. On prend les éléments. Légèrement au-dessus. On prend ça. Dupliquer. On redéplace ici. On tourne la pièce. Voilà. Déjà, ça donne un petit peu plus de vie. Ensuite, ici. Oh, attends. Hop. Voilà. Voilà, ça, c'est une bonne base. Ça, on va peut-être le déplacer. Histoire que ça fasse pas. Non, c'est juste déplacer. Je lui donne une petite rotation. Voilà, déjà, on n'a pas l'impression que ce soit trop répété. Ensuite, on prend tout ça. Juste cette partie-là. J'ai dit ça. Voilà. On le fusionne. Ça en fait plus qu'un seul élément. Dupliquer. On lui donne une autre orientation. Et voilà. En 2-2. Dupliquer comme ça.
Ça va très vite. Après, on rentre un peu l'objet. Chaque fois, je me fais avoir. Ah. On le met un peu dans le sol et voilà. On se retrouve avec un point d'eau légèrement animé, un peu vivant. Tac, on duplique, on tourne l'objet dans le sens qu'on veut. Voilà. Et l'animal, vous savez qu'il aime ça. Donc, vous êtes tranquille maintenant. Si on veut faire bien les choses, on met comme ceci, histoire de s'assurer. Oula. Ça fait 2-3 fois que je frise comme ça. Non, c'est pas. Des visiteurs. Oula. Ça fait 2-3 frises que je me tape, c'est quand même bizarre. Non, non, oui, non, oui, c'est ça. Donc, on est quand même dans un zoo, en plein zoo. On met les besoins qu'on a besoin dans un zoo. Voilà, ensuite. L'avantage de celui-là, c'est que je l'ai fait spécialement pour cet enclos. Sur une autre partie, je le mets un peu en arrière, je lui donne un peu de hauteur, et voilà. Ensuite. Hop. Voilà. En théorie, il est coincé. Oups. Ouais. Pour le correct, on va faire ça quand même bien. Non, dans le sens. On s'en fout en soi de ça. Et juste histoire de rendre la chose un peu intéressante. Hein? Ça me permet d'avoir des habitudes. Alors, inspectrice, putain, elle passe souvent celle-là. Hop là, on va éviter les bêtises. On va éviter de les placer là où il faut pas. Voilà. Ah, si tu sais pas si que c'est des pandas blancs, géants, c'est que tu fais exprès. Maintenant. Non, ça va rester comme ça. Mais bon. Oh, ça me va, ça me convient. Bon. Je crois que j'ai pas mal avancé. Donc, je crois qu'on va arrêter là. Ce soir. Je vais quand même aller me reposer. Il est quand même 2h moins 10. Je vous fais des bisous. Merci d'être venu. Pensez au Discord. Pensez à vous abonner. Regardez la bio. Voir les liens. J'ai un agenda pour vous donner toutes les informations nécessaires sur mes futurs streams.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez sur le Discord quand vous voulez. On ne mord pas. Enfin, pas pour le moment. Peut-être qu'un de ces quatre, on va s'y mettre. Mais c'est pas dans l'urgence. J'espère que cela il vous aura plu. Ça commence à se préciser de mon côté. Donc, bon, bah, la qualité commence à s'améliorer. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour les follow. Des gros bisous. À la prochaine.